Won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what's the soul of a man. Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 18e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mad Max. Et donc, on était la dernière fois, on venait de récupérer Glory des mains des vautours. Sauf que là, je pense qu'on arrive à la fin. En tout cas, ça sent la fin, ça sent qu'on se rapproche de la fin. Mais surtout, j'ai pas d'objectif. Vous voyez la chef qui était là, mais je sais même pas qui c'est, je suis même pas allé voir, j'ai un peu rushé l'histoire, c'est un peu débile. Ah non, c'est la bagnole dont il parle. Where is he? Where's the car? Hey! Hey still! My fingers ain't dirty, you're working! Where's the hunchback? Where is he? Where is the car? I don't know. I heard he said he was taken to where it was born. He said he cared about it. Raged about that wagon like it was raging about some fine dame. The ship. You let him go. No. You let this happen. That's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Vénère. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you gonna have another chance? Our contract is done. Hey. It's a prison. For you. Together we can build more than a life raft. M'en fous, je fais ma bagnole. Fais ma bagnole. Non, sérieux, il en a tellement chié que bon, il mérite un peu de la récupérer quand même. Ok, donc il l'a ramené à la cachette de Chum. Évidemment, on peut pas se téléporter là-bas. On va se téléporter juste avant. Mais de toute façon, c'est Max. Le fait qu'il laisse en plan... ses possibilités de se remettre dans la vie sociale, c'est Max. Il est complètement... Bah, il n'est pas complètement fou, mais en tout cas, la perte de sa famille l'a laissé complètement fou et complètement désocialisé. C'est normal qu'il ait peur de resocialiser. C'est d'ailleurs dans tous les films, quasiment, il y a quelqu'un qui lui propose de rester avec lui. Sauf qu'à chaque fois, il refuse. Wow. Ok, je sais plus conduire du tout. Allez. Apprends à conduire. Ah non, en plus j'ai de la nitro. Alors, est-ce qu'il est là? Oh oui. Ma bagnole. Shit. You came for me. You came for me. I should kill you for this. Hail the champ! The ruination of Stankum, they said. T'es encore en vie, lui? The one who thieved my big block and my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain bag as if cutting dead stump. Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to sing! About you? A woman? A child? A whole? A
little family. You must be the dad. Well, now, daddy's gonna die. Allez. We got company. Final touches. Always daddy. By the finest artists. Whoa. And there's a surprise for you. I'll tell you. Déjà. J'arrive pas à venir et me concentrer en. Ouf. Allez, viens là. Ah, d'être protégé. Donc je récupère de la vie en faisant des kills en mode ultra vénère. Waouh. Allez, allez. Waouh. On va essayer de me défendre. Allez, viens là. Oula. Allez, c'est la fin. Oui. What did he tell you? Lord Scrotus was here. He heard that monkey song and he dug it about a little family. A woman, a child, a dog. Lord Scrotus gonna hurt you more than you could ever hurt me. He's there right now, killing him slow. In all sorts of tasty ways. I catch the shine. Oh. Okay. But I took it upon myself to bring her back to her birthplace. My angel, the Magnum Opus. You stole it. Righteous, it was not. I confess. What could this lonely acolyte do? What could I possibly do? You meant to take her from me. You meant to plant your petrol tank back here. So. So. Là j'écoute la conversation, c'est intéressant. Ok, rendez-vous au temple de Difria, normalement là on peut se TP. Ah et évidemment j'ai oublié de prendre le TP du ballon, du coup on va devoir aller à Petrovid d'abord. J'ai cru qu'il allait laisser son lieutenant, la Scorbut, partir en vie. Déjà que je pensais pas qu'il avait survécu à son crash. Ok, on y arrive. Ah. You're too late. Scrotus was here. You're okay, baby. Come here. Come on. Come on. Ok. J'ai cru qu'il l'avait vrai. Wouh. Yes, I will.
I'll remember. I promise you. Je pensais pas qu'il les aurait tués. Honnêtement, je pensais pas. Je pensais qu'il, tout simplement, il allait les voir, elles auraient été embarquées par Strotus, il aurait fallu aller chercher. Et là, non, elles sont mortes. Et puis elles sont mortes bien, là. C'est genre la gamine quasi crucifiée, la mère pendue en main de bondage. Ouh. Ouh. Enfin, c'était assez violent. Et là, on sent que Max est vraiment mad. Du coup. Strotus doit payer pour ce qu'il a fait. Ah oui, d'accord. Ah ouais, carrément. Du coup, faut qu'on aille où? He murdered them. Scrotus. I will have his blood. Je suis d'accord, mais je dois aller où? I must find him. And end him. Nobody knows where he goes. Not to say, only his war boys know his patterns. His zigzags and desperate unholy movementations. The blood of the heck upside down in organic mechanics. He called him some scab. Was a war boy, he said. Was with Scrotus. He said so. Oh, he'll know. Yeah, he'll know. And he will. Tell me. Ok, donc direction l'organique mécanique. L'organique mécanique, c'est à Petroville. On y va. On va aller chercher ce globular. Bon, ça m'a choqué cette fin. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Bon, ça revient au même, au final il faut aller chercher Scrotus. Mais je pensais pas qu'on aurait dû aller chercher tout simplement pour aller se venger. Genre c'est un peu con parce qu'au final Hope et Glory, elles auront mouru très vite pour pas grand chose. Et oh, je veux passer. Ah non, déconnez pas les gars. Ah bah merde alors. Ah ouais, contrôle. C'est vrai, c'est pas espace pour sauter, c'est contrôle. D'accord. Affrontement final. Bon, bah on va bien voir si on est bon. Hein. Je suis pas sûr qu'on soit bon, auquel cas je ferai un petit peu de farm en mode off. Pour augmenter mon... Bah tout le monde, quoi. Oula. Scrotus. Scrotus. I will tell you where to find him. Your fame walks on its own. And your shadow has grown. And my blood has fueled legend. Scrotus is settled on roadslide of the Purgatory Flatlands. Too weak, he said. A spent shell. Bring his corpus gratis to the organic mechanic. And let the blood serve! Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! Ok, affrontement final. J'étais pas prêt du tout, c'est pas grave. Are you sure about this?
On va éliminer. Ok, d'accord. Ah, il y en a pas un derrière là. Ah, il faudrait qu'il se retourne. Casse-toi. Non mais en fait je suis genre pas assez du tout. C'est stressant. J'aurai jamais assez de munitions. Bon, d'accord. En espérant que ça, son escorte ne va pas se reset. Oh la vache. C'est difficile, je pense qu'on va devoir aller farmer. Ben oui. Ça va me dire que j'ai perdu. Allez, attrape-moi tout ça, voilà. On le rattrape. J'aurai jamais assez de munitions pour tout finir. Aïe. Toi t'as pas genre un... Ah ici. Il faudrait que je me rapproche. Enfin, faudrait que lui se rapproche. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ça non plus. Oh mais je me fais tellement défoncer, j'ai presque plus de munitions. On va utiliser ça pour celui-là. Ah non! C'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'avance. Ah, j'étais pas loin. Allez, go. On y retourne. Alors c'est stressant, je parle pas beaucoup, mais c'est un peu stressant.
problème c'est que c'est, ils sont blindés de vie. Et moi je suis pas blindé de puissance ni de protection. Là je devrais voir le premier qui arrive. Oula, toi t'es fini. Ah, tu peux pas tirer là-dessus toi. Quoi? Voilà, une. Oh là 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 là. Je venais de tout retaper, la bagnole qui repart déjà en miettes. Alors on devrait l'avoir à l'usure, mais ça m'énerve un peu quand même. Allez, on y retourne. C'est stressant. Alors, on y est presque. Il y a peut-être juste en dessous. Ils sont là-bas. Oh oui. Oh oui. Allez, lâche-moi. Merde. Ah si, c'est bon. Bonne direction. J'ai cru que j'étais pas dans la bonne. Bon, on va cramer toutes les dernières mues. Hein. Yes. Arracher le blindage latéral avec un pont pour... Le blindage latéral. Ah oui, d'accord. Ok, je suis pas sur le bon angle. Voilà. Utiliser le fusil ou le harpon de feu pour détruire les réservoirs explosés. Ok. La bagnole. Ah. Je suis trop loin. Je sais pas. Si. Yes. Comment ça, il roule toujours? Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Ils sont sérieux là? Vous sortez de nulle part, vous! Allez, répare-moi ça, je suis en train de crever. Oui, je sais, attention, retournez au Landmover, je suis d'accord. Oh, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de perdre à cause de ça. J'ai plus de munitions pour m'en débarrasser en plus. Ok, je m'en suis débarrassé d'un. Débarrassé de deux. Je pense que le dernier va abandonner la course. Ah, que ça m'énerve. D'être tombé sur eux là, ça m'a ralenti. Ça m'a empêché de le choper. Et au final, l'épisode va être encore super long.
Ah, ça y est. Arracher les pneus, c'est ça? D'accord. C'était pas sympa. J'ai plus de vie, plus rien. Faut que je fasse quoi? Tu sors d'où toi? Oh la vache. Prépare-moi ça vite. Allez, il est en train de se barrer, merde. Oh la vache. Pourquoi il est obligé d'y avoir des gens qui me poursuivent comme ça? Je suis en plein boss là. Je sais même pas comment m'en débarrasser de ce boss. Passer de ce côté-là, on va essayer de voir. D'accord, faut faire la même. Oui, c'était ça. On va faire la même de l'autre côté. Oh non. End what you started. End what you. No, no. Please, oula. Oh mon Dieu. Oh non. Moi je me bats pas à pied contre une bagnole. Surtout quand j'ai low life. Ah oui, mais oui, c'est l'intercepteur en plus. Ah merde. On va boire un coucou. Kill.
Ok, d'accord. Allez, viens là. Merde. Je suis en train de lancer. Ok, c'est toujours pas ça. It was you who drove the sword into his skull. It was you who unleashed the evil. Tu veux pas venir? Ouah, bah, le con. Use the thunder. Make him pay. Allez! T'es pas obligé de tourner comme un taré là, c'est bon! Oh là là! Et comment on est censé le viser? Ah d'accord, je l'ai quand même touché. Il a toutes ces voix qui lui parlent en même temps, en mode gros schizo. Ah, j'ai tapé juste devant. Allez. A de tourner, c'est bon. Yes. Mon intercepteur. Oula.
Waouh, le Road Warrior. Ah, c'était cool. Ah, c'était vraiment cool. Franchement, en tant que fan des Mad Max et du post-apo en général, je me suis vraiment, vraiment éclaté. J'ai un peu rushé l'histoire, je trouve. Il y a moyen de faire durer le jeu beaucoup plus longtemps, le rendre aussi plus facile sur certains aspects si on farme bien, si on fait bien les objectifs secondaires. Mais franchement, au niveau de l'histoire, c'était vraiment cool. On sentait le Mad Max, en fait. On sentait tout ce qui fait les bons trucs de Mad Max. Les courses de voitures endiablées, les combats épiques. Non, franchement, c'était très, très, très cool. L'ambiance très glauque, sanglante du jeu, ouais, c'était vraiment bien. Je me suis bien éclaté. Même si, je suis désolé pour le dernier épisode, j'ai pas beaucoup parlé, parce que c'était beaucoup, beaucoup de courses-poursuites, des trucs un peu intenses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. Je suis désolé d'avoir pas pu faire, en tout cas d'avoir pas voulu faire les missions secondaires, parce que je pense qu'elles sont quand même très intéressantes. Mais c'était pour pas faire un let's play de 50 milliards d'épisodes, parce qu'il y a moyen encore sur ce jeu. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment, vraiment kiffé. Je sais pas vous, parce que c'est un jeu d'action, j'en fais pas d'habitude. En tout cas, des jeux d'action comme ça, j'en fais clairement pas. Moi, je me suis vraiment éclaté, tout simplement parce que j'adore cet univers. En plus, pour ceux qui ont vu Mad Max Fury Road, je pense que ça se situe juste avant. Et c'était vraiment, vraiment très très cool. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est ben, qu'on se retrouve dans 4 jours pour un nouveau let's play, normalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du let's play, pensé de l'épisode dans les commentaires. Peut-être que je referai des jeux du même genre du coup. Peut-être pas Mad Max parce que ça serait un peu quand même redondant. Mais peut-être les Batman, même si je suis pas très fan. Batman Arkham qui sont faits par la même boîte je crois. Donc avec un peu le même gameplay. Mais bien sûr pas le même univers clairement. On verra tout ça. Si, pendant 4 jours le prochain let's play, normalement, je dis bien normalement. Peut-être que je ferai une vidéo bonus pour dans 3 jours où je monte ma partie 100%. Je fais une partie en 100% sur ce jeu. Pour l'instant, ça avance bien. J'ai fait les deux premières régions, donc celles des deux premières forteresses en fait. Je les ai faites à 100% quasiment. Il me reste juste, allez, quelques décharges à fouiller et puis c'est bon. Voilà, donc épisode bonus dans 3 jours, normalement. Sinon, si j'arrive pas à faire l'épisode bonus à temps, bah ça sera épisode. Un nouveau let's play. Je ne sais pas encore sur quoi, il faut que je réfléchisse. Dans 4 jours. Voilà. En tout cas, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et puis, du coup, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de mes aventures sur YouTube. Allez, salut à tous, portez-vous bien!